On peut pas. Ouais. Tu veux. Ouais, bien bas. Je n'ai pas d'application, je n'ai pas d'application. Vous l'avez mentionné au niveau sous-régional, les défis sont complexes, ils sont énormes. Je pense que nous sommes à un tournant où nous devons mesurer la gravité des menaces réelles et sur la déliquescence des États, de même que les risques de désintégration de notre Union. Et je suis persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir. Mais je pense que les ressources sont là, la volonté politique est là, vous l'avez exprimé. Et c'est cela qui contribuera au renforcement de l'unité, de la cohésion et de la souveraineté de la CEDEAO, qui est un outil formidable d'intégration qui a tout le temps été cité en exemple et que nous gagnerons à préserver. Et je sais votre engagement à aller dans ce sens-là. Évidemment, au cours de nos entretiens, nous avons passé en revue la situation dans chacun de nos pays, les efforts que nous faisons. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays, avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or. Ce sont des économies qui, dans 2 ou 3 ans, auront des taux de croissance à 2 chiffres. Et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les deux pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vais aller à gauche pour que je puisse avoir vos... Ici, je vais avoir...